Nous nous retrouvons vers Sol à un moment charnière du concours Miss Fuji, le moment décisif. Nous sommes conscients qu'élire une Miss parmi ces jeunes est l'une des tâches les plus difficiles, car elles sont belles les unes aussi bien que les autres. Mais sachez que pour nous, vous êtes toutes des gagnantes, car vous avez chacune vos forces et vos faiblesses qui vous rendent uniques et authentiques. Je vais m'interrompre ici, dans ce discours, en ayant une pensée pour vous toutes, et que la meilleure, comme l'a dit tantôt notre animatrice, gagne. Nous avons lancé le concours en juin et il était lancé avec 4 postulantes et 4 postulantes sont arrivées dans la finale qui était faite jeudi 3 août. C'était une belle expérience côté que Miss Tayo a extériorisé, mettait talent en évidence, beauté, incarné beauté, élégance et surtout intelligence. Et c'était une belle expérience pour moi, ensemble avec Miss Fuji pour édition ça. Lors des inscriptions, c'était 6 postulantes. Et puis, Jacques Oudila, il y a des Miss, malheureusement, que j'ai arrêté, qui ont joué des moyens pour quitter, qui ont des problèmes pour continuer. Et ça a été une cause que nous terminons à 4 postulantes. Et heureusement, pour nous, ça a arrêté dans des zones avoisinantes, c'est-à-dire Delma, Pétionville. Et ça a été possible pour participer sans que l'insécurité n'ait pas vraiment touché. Mais est-ce que je dis à l'attente nous combler, ça nous espérer, est-ce que c'est ça? Bien sûr que l'attente nous combler parce que nous avions une Miss qui est couronnée, qui est la Miss Pierre-Jacques Anneika, une première dauphine et une deuxième dauphine, la Miss populaire aussi, et une Miss élégance. Donc nous sommes totalement satisfaits parce que le concours est bien déroulé, il est bien passé et finalement encore réussi grâce à Dieu et aussi grâce à ce staff là, qui t'a fait un bon travail et surtout grâce à la présidente, nous qui c'est docteur Mona Lisa Ferrari, qui est la présidente fondatrice de la Fondation pour l'émancipation des femmes et des filles. Le parcours était assez difficile. Des fois, nous avons envie de décourager, mais nous avons continué avec encouragement proche, nous, avec dévouement, avec fierté, tout que nous voulons porter pour tête, nous, avec les gens qui voulons encourager nous, nous réussissons jeudi à nous élu Miss Fuji 2024. Il faut savoir qu'il y a l'observation. Avant même que vous rentrez dans l'espace ou dans un concours, vous supposez observer les points forts et points faibles parce qu'il y a une concurrence. Et il faut que vous travaillez tout ou même sur les points faibles. Je suis venu dans Miss Fuji pour me gagner, je suis analysé, je suis apprendre, je suis mettre en pratique et je dis ça pour te fuir. Et c'est toutefois qu'il y a d'autres jeunes qui veulent participer dans le mode, même gens ensemble avant, qui message vous avez lancé pour vous? Continuez à évoluer dans le domaine social. J'aime toujours dire que nous sommes jeunes, nous sommes avenir pays. Apprendre, mettez des choses dans la tête. Nous remettons l'autre, nous encourageons l'autre, nous encadrons l'autre, nous comprenons l'autre. Comme ça, nous avons un Haïti avec un monde qui est meilleur.